3h30 du matin, tout habillé, déjà. Pierre de Crane, pourquoi m'avez-vous appelé? Et comment avez-vous su que c'était vous qu'appelaient les trois coups retentissant dans la cuisine caverneuse? Plus bas. De peur qu'on ne nous entende. C'était moi. J'ai bien compris hier que vous ne deviez pas partir sans que je vous revisse encore. Mais qui vous a donné cette autorité pour frapper ainsi du bâton comme un maître sur la demeure endormie et close? C'est ainsi que le destin frappe à notre porte. Le destin. Peut-être seulement qu'une fois encore, j'ai voulu voir votre charmant visage. Silence. Pourquoi ne vivrais-je pas bien heureuse? Qu'avez-vous dans l'esprit? Et pourquoi pensez-vous que j'ai passé par votre maison? Qu'avez-vous dit à mon père? Un mot ou deux. De choses qu'il ne savait pas. En sorte que je l'ai vu fermer les yeux, serrer les lèvres, comme celui dont l'âme se replie sur un mal soudain. Et moi-même, que dois-je attendre de vous? Et de moi, jeune fille, ou de quiconque, qu'attendriez-vous? Jeune être heureux, vous ne savez ce que c'est que souffrir. Et cela qu'on appelle, Violaine, la misère, la lutte, la désolation. La honte. Et je crois avoir compris que bientôt vous épouserez l'homme qui vous aime et que vous aimez. Il est vrai qu'il m'aime. Et que je l'aime. Ainsi, votre coupe est pleine. Que pourriez-vous attendre ou recevoir? Est-il vrai, ô Pierre, que nous ne nous connaîtrons point davantage? Violaine, qu'en dites-vous? Et je me réveille et je me rendors dans la joie. Que je sois pleine de plus de joie afin d'en donner à celui que j'aime davantage. Est-ce là cette parole que vous désirez m'entendre vous dire? Est-ce là pourquoi vous vous êtes vêtue attendant ce coup que j'ai frappé sur le volet? Il serait donc une autre joie que la mienne. Qui pourrait recevoir, ayant déjà? Et qui éprouverait la mesure du vase autrement qu'en le remplissant? Moi, je suis de ce que je contiens contente.
Ce n'est point de l'eau dont je suis pleine, mais un vin secret qui m'enivre. Et des gens, ô Violaine. Eh bien. À qui nulle abondance ne suffit, s'ils ne viennent boire à la vive source eux-mêmes, y appliquant la bouche. Poursuivez. Hâtez-vous. Il le faut. Malheureux celui-là qui n'a plus soif. Mais de quoi aurais-je soif qui ne me désaltère point? Malheureux celui-là dont le cœur se contente aussi vite que sa bouche s'emplit. L'insatiable ne peut s'appliquer que sur l'inépuisable. Et ainsi, vous comprendrez cette parole dont le sens d'abord paraît étrange et si choquant. Heureux ceux qui ont faim et soif. Heureux les pauvres. Heureux ceux qui pleurent et souffrent persécution. Et telle est la première partie de la doctrine. Quelle est l'autre? Le don. À l'imitation de la générosité de notre Dieu aux autres, pour qu'il n'y ait rien de mort en nous. Celui qui donne pour qu'il puisse donner, il est juste qu'il reçoive. Et qui se sacrifie, Violaine, il se consacre. Maintenant, vous m'avez tout dit. Je sais tout. Adieu, Violaine. Mais comme un chien de garde, tu guettes attentif au bruit de la porte. Mais les hommes ne comprennent rien. Voici que ces petites filles ont grandi. Elles? Non. À qui allons-nous marier ça? Les marier, Anne, dis-tu. Nous avons le temps d'y penser. Fausseté de femme. Qu'en penses-tu une chose que tu nous dises d'abord le contraire? Malignité. Je te connais. Mais je ne dirai plus rien. Jacques Curie. Eh bien. Voilà. Je lui donnerai Violaine. Il sera à la place du garçon que je n'ai point eu. C'est un homme droit et courageux. Et que sais-tu s'il s'aime? Violaine fera ce que je lui aurais dit. Pour lui, je sais qu'il l'aime. Et tu le sais aussi. Seulement le sot n'ose rien dire. Mais je la lui donnerai, s'il veut. Cela sera ainsi. Oui. Sans doute que cela serait au mieux ainsi. N'as-tu rien de plus à dire? Quoi donc? Eh bien, je m'en vais le chercher. Mais comment le chercher, Anne? Je veux que ceci soit réglé à l'instant. Je te dirai tout à l'heure pourquoi. Mais qu'as-tu à me dire, Anne? Écoute-moi un peu. Je crains... Eh bien... Marat, couché dans ma chambre cet hiver, pendant que tu étais malade. Et nous causions le soir dans nos lits. Bien sûr que c'est un brave garçon. Il a autant de bien que nous et il tient sa ferme comme il faut. Nous pourrions leur donner nos terres du bas. Je voulais te parler de lui aussi. Eh bien? Eh bien, rien.
Sans doute que Violaine est l'aînée. Allons, après. Après. Que sais-tu s'il l'aime? Cet homme du pont, Pierre de Craon, qui était là hier avec nous. Tu as vu de quel air parfois il la regardait? Et elle, n'oublie pas d'habitude comme elle est secrète et tranquille, troublée, changeant de couleur. Je la voyais qui levait les yeux sur lui et les baissait aussitôt. Bon, et Mara, tu la connais. Tu sais comme elle est butée. Si elle a l'idée, donc, qu'elle épouse Jacques, voilà. Elle est dure comme le fer. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il vaudrait mieux... Il en sera ce que j'ai dit. Jacques épousera Violaine. Je le veux. Et maintenant, j'ai autre chose à te dire. Je pars. Mais qu'est-ce que tu dis, Anne? Tu pars? Seigneur. Tu pars? C'est pour de bon? Et où c'est que tu vas? Là-bas. À Château? Plus loin que Château. À Bourges? À Jérusalem. Sainte Vierge. Est-ce que la France n'est plus assez bonne pour toi? Nous sommes trop heureux. Et les autres pas assez. Ben, Anne, ce n'est pas de notre faute. Mais tu vois au moins que tout est ému et dérangé de sa place. Et que chacun recherche éperdument où elle est. Anne, t'ai-je fait aucune peine? Non, mon Élisabeth. Que tu m'abandonnes dans ma vieillesse. Tu ne m'aimes plus. Tu n'es plus heureux avec moi. Je suis las d'être heureux. Qu'as-tu à te plaindre de moi? Je t'ai nourri durant ces 30 ans de mon travail. Je ne t'ai pas trompé avec les servantes. Et maintenant, j'ai du bien. Et nous pouvons en paix jouir de ce bien que j'ai acquis. Anne, je te prie de ne pas t'en aller. Tu sais que je suis malade. Si tu pars, je mourrai et tu ne seras point là. Tu peux mourir sans moi, Élisabeth. Mais peut-être que sans moi, ceux de là-bas ne peuvent point vivre. Ne me conseille pas des choses basses. Il me faut prendre le train de midi. Quoi? Quoi, aujourd'hui même? Il le faut. Tout est prêt. Bientôt, je suis de retour. Et maintenant, je vais chercher Jacques. Va et dis-lui qu'elle ne l'épouse pas. Mara! Comment tu étais là? Va-t'en, je te dis, lui dire qu'elle ne l'épouse pas. Mais qui, lui? Qui, elle? Que sais-tu si elle l'épouse? J'étais là. J'ai tout entendu. Eh bien, ma fille, c'est ton père qui le veut. Tu as vu que j'ai fait ce que j'ai pu. Va-t'en lui dire qu'elle ne l'épouse pas ou je me tuerai. Mara! Je me pendrai dans le bûcher, là où on a trouvé le chat pendu. Mara, méchante! Voilà encore qu'elle veut me le prendre. Voilà qu'elle veut me le prendre. À 7 heures, c'est moi qui devais toujours être sa femme, et non pas elle. Elle sait très bien que c'est moi. Oui, ben elle est l'aînée. Qu'est-ce que ça fait? C'est ton père qui le veut. Ça m'est égal. Jacques Hury l'aime. C'est pas vrai. Je sais bien que vous m'aimez pas. Vous l'avez toujours préféré. Quand vous parlez de votre Violaine, hein, c'est comme du sucre, c'est comme une cerise qu'on suce. Au moment qu'on va cracher le noyau. Avec ça, qu'elle est déjà si belle, votre Violaine. Elle a les épaules maigres et vous lui donnez ce qu'il y a de mieux. Toutes les bonnes terres d'en bas, une ferme, toutes louées. Tu en auras autant qu'elle? Ouais, les grèves d'en haut, là, des limons, qu'il faut 5 bêtes pour labourer les mauvaises terres de Chinchy.
Ça rapporte bien. Ah, sûrement. Des chiens d'Inde, des queues de renard, du saigné, des bouillons blancs. J'aurais de quoi me faire de la tisane. Mauvaise. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Tu sais bien qu'on ne te fait pas tort de rien. Mais c'est toi qui as toujours été méchante. Quand tu étais petite, tu ne criais pas quand on te battait. Mais dis, noire piaude, vilaine, est-ce qu'elle n'est pas l'aînée? Qu'as-tu à lui reprocher? Jalouse? Elle fait toujours tout ce que tu veux. Eh bien, elle se mariera la première. Et tu te marieras, toi aussi, après. Oh, du reste, il est trop tard. Car le père va s'en aller. Oh, que je suis triste. Il est allé parler à Violaine et il va chercher Jacques. C'est vrai. Va tout de suite. Va-t'en tout de suite. Mais où cela? Tu sais bien que c'est moi. Dis-lui qu'elle ne l'épouse pas, maman. Assurément, je n'en ferai rien. Répète-lui seulement ce que j'ai dit. Dis-lui que je me tuerai, tu m'as bien entendu? Oh. Crois-tu que je le ferai pas? Si fait, mon Dieu. Va donc. Oh, tête. Tu n'es là-dedans pour rien. Mais lui, que sais-tu s'il voudra t'épouser? Certainement, il ne voudra pas. Eh bien? Eh bien? Ne crois pas que je lui conseille de faire ce que tu veux. Au contraire, je répéterai seulement ce que tu as dit. Bien sûr qu'elle ne sera pas assez sotte que de te céder si elle me croit. Peut-être. Va. Fais ainsi. Et c'est toujours la même chose et c'est toujours les mêmes. Hey, que me racontes-tu là? Peut-être que je viens de vous le dire. Votre limite est au ras du grisard? Oui. Eh bien, ils ont gagné sur vous d'un bon pas. Un pas. Je le savais. En effet, je crois que le vieux me fait tort. Entre, Jacques. Voilà que je suis vieux. Vous êtes trop bon. Pendant 30 ans, j'ai possédé ce bien. En bon père de famille, faisant ma tâche comme le soleil, avec affection. Car l'homme juste n'a pas besoin de savoir le pourquoi ou le comment, mais de faire seulement la tâche qu'il a devant lui. Et cependant, j'ai du bien. Mais qu'est-ce que cela va faire? Maintenant que je laisse ces femmes seules, avec le mauvais monde d'ici. Bon, vous êtes avec nous encore pour un bout de temps. Violaine. Violaine. Rappelle-toi plus tard ce que je vais te dire. Quand tu auras un mari, ne méprise pas l'amour de ton père. Car tu ne peux rendre au père ce qu'il t'a donné. La vie. L'amour des époux est comme le consentement de deux étrangers. Ne sachant rien d'eux-mêmes, ils ont résolu de se donner l'un à l'autre dans la foi. Voici l'union sacramentale. Et maintenant, le moment est venu de nous séparer. Ô part de mon âme, et que je te donne à un autre. Il faut nous séparer, Violaine. Père, ne dites point cette chose cruelle. Jacques, tu es l'homme que j'aime. Prends-la. Je te donne ma fille Violaine. Aime-la, car elle est nette comme l'or. Ne lui fais point de peine et traite-la avec amitié. Et pour la dot que je lui donnerai, je t'ai déjà parlé de cela. Et c'est arrangé, si tu le veux. Maître Vercors, ainsi, si je comprends bien, c'est moi que vous voulez pour être son mari. Oui, Jacques, c'est toi. Vous savez que je n'ai jamais été heureux. Et cela est juste, car toutes les plantes ne sont pas les mêmes.
car il en est à qui une mesure de pluie est nécessaire, et d'autres, fortes et coriaces, qui poussent sans eau, dans le sol dur. À 12 ans, j'ai perdu ma mère. Mon père étant mort depuis longtemps. Et je suis resté seul. Et je n'ai point eu d'amis. Je ne peux point dire que j'en ai eu. Et plus tard, j'ai épousé une femme que j'aimais et qui ne m'aimait point. Et vous l'avez épousée, sachant qu'elle ne vous aimait point? Oui. Et au bout d'un an, elle est morte. Me laissant un enfant. Et l'enfant aussi est mort. Et maintenant, Violaine. Vous entendez ce que votre père a dit? J'ai entendu. Violaine. Autre chose est la passion de l'enfant. Autre, l'amour que l'homme conçoit dans le temps juste et dans la pleine force de son âge. De l'une, l'on peut souffrir et guérir. Mais pour l'autre, le cœur est dérangé de sa place. Et rien ne peut réparer l'injure. Ce n'est pas un jeu où l'on entre et d'où l'on sort. J'ai pensé parfois que je pouvais être aimé. Par ma foi, je crois que vous pouvez m'aimer. Vous avez entendu ce que votre père a dit? Mais si cela est, que va-t-il m'arriver? Ce bonheur, comment est-ce que je vais m'arranger avec? Songez-y, pendant qu'il en est temps encore. Alors je vous prends, et je ne vous lâche plus. Par Dieu, Violaine, je vous tiens. Votre main et le bras avec. Parents, allez-vous-en. Votre fille n'est plus à vous. Ceci est à moi. Ceci est à moi seul. Enfant, je ne serai pas là pour votre mariage. Anne. Quoi? Je pars. Maintenant. Avant que nous ne soyons mariés? Il le faut. Il le faut. La mère t'expliquera tout. Mais tu ne vas pas partir avant d'avoir mangé. Olaf. Mon sac, mon chapeau, mon bâton. Apporte-moi mes souliers et apporte-moi mon manteau. Sois bonne. Adieu, père. Maintenant que je m'en vais, faites comme si j'étais là. Car je reviendrai. Je reviendrai au moment où vous ne m'attendez pas. Qu'y a-t-il, petite fille? Tu as échangé un mari pour ton père? Hélas, père. Hélas. Maintenant, adieu. Dis quand tu reviendras. Je ne puis pas le dire. Peut-être que ce sera le matin, peut-être le midi quand on mange, et peut-être que la nuit, vous réveillant, vous entendrez mon pas sur la route. Adieu. Thank you.
Que dit-elle? J'amenais ça tout en allant et... D'abord, elle m'écoutait, les yeux baissés. Et je lui parlais de toi. Et elle devint sérieuse. Elle me regardait en face. Et avant que je n'eusse rien dit encore, elle devint pâle comme la boue. Et je vis qu'elle avait compris. Eh bien, qu'a-t-elle dit? Oh! Elle ferma les yeux comme quelqu'un qui a reçu un coup dans le ventre. Et moi, je me mis à pleurer. Et je disais, non, non, Violaine, mon enfant, ne fais pas attention, je ne te demande rien. À la fin, elle rouvrit les yeux. Et elle me regardait avec une expression de douleur et de reproche. La bouche ouverte, avec un fil de salive entre ses lèvres, comme un petit enfant qui fait attention. Et puis elle se détourna et se mit à gémir. Je désirais encore lui parler, mais avec la main, elle me fit signe qu'elle voulait être seule. Et depuis, elle ne m'a plus dit un mot. Oh, qu'y a-t-il? Oh, j'ai regret de ce que j'ai fait. Bien, bien. La vois-tu au fond? Je crois que Jacques Hury doit venir ce matin. Oui, éloignons-nous. Je ne la vois pas. Cependant, elle m'avait dit qu'elle voulait me voir ce matin, ici. Oh, Jacques! Vous cherchez quelqu'un? Je cherche Violaine. Oh, Violaine! C'est depuis hier, je ne sais quoi qui arrive, on ne peut plus mettre la main sur elle. Vous savez qu'elle va se marier? Vous avez entendu ce que le père a dit au moment qu'il allait partir? J'ai entendu qu'il lui parlait d'un mari. Juste. Ouais. Et est-ce que vous savez qui c'est? Je crois que je le sais. Ah, vous aussi? Oh, dites-moi, comment vous en êtes-vous aperçu? Hein? Bon, vous le savez. Il est tellement plus âgé qu'elle. C'est vrai que c'est un homme riche. Il a de la connaissance aussi. Tellement plus âgé qu'elle. À 20 ans, au moins. Mais il a fait tant de voyages. Il nous a raconté tout cela l'autre soir. Oh, j'aurais voulu que vous la voyiez, la sucrée et rouge. Et rouge comme le feu. Et si on avait le malheur de l'interrompre, waouh, quel regard! Vous êtes égal. Ça n'a pas duré longtemps. Une semaine qu'il est resté. Vous voulez savoir comment je m'en suis aperçue? Hier même, qu'il ne faisait pas encore jour. Après tout, on peut bien le dire maintenant. À parler? Non, c'est inutile de le répéter. Parler. Il était de très bonne heure. Je dors mal depuis longtemps. Il me semblait que j'entendais du bruit dans la maison, comme de gens qui marchent furtivement. Donc je descends, j'entre, sans faire de bruit, j'entre. Et qu'est-ce que je vois? Non, je devrais pas vous le dire. Et Violaine, la sucrée, de mes yeux, je vous dis, je l'ai vue. Eh bien. Ma Violaine avec ce pierre de craon. Eh bien. Oh, qu'il l'embrassait. Et qu'elle se laissait fort bien faire.
comme si ça ne lui faisait pas de la peine. Fraîche comme une rose, près de la bouche. Ah, l'amitié n'a pas été longue à venir entre eux deux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vous dis que je l'ai vu. Mais qu'est-ce que vous avez? On dirait que vous avez quelque chose. Non. Mauvais cœur. Le bonheur des autres, cela vous fait de la peine? Vous savez. Vous vous moquez de moi. Me moquer? Jacques, si d'autres se moquent de vous, ce n'est pas moi. Je vous aime bien. Pourquoi pensez-vous toujours à cette femme? Il y en a d'autres. Eh ben... Naturellement, ce n'est pas vrai. Pourquoi me dit-elle cela? Je n'ai rien entendu. Je vais demander à Violaine ce qu'il en est. La voici. Et j'ai tout oublié. Elle est nette, comme l'or. J'ai bien vu qu'elle m'aimait. C'est elle. Oh, je suis honteux de moi-même, je ris, j'ai envie de pleurer. Elle va être là. Comment faire? Oh, je suis tellement content de la voir que je voudrais être tout seul un jour ou deux à penser à cela à mon aise. Et pleine d'inquiétude, elle viendrait me trouver et elle me parlerait, cherchant une par une toutes les raisons que j'aurais de ne pas l'aimer et à chacune, plein de bonheur. Je comprendrais que celle-là encore n'est pas bonne. Et je la laisserai parler jusqu'à la fin. Je vois ma fiancée à travers les feuilles et les fleurs qui me la montrent à demi et la cachent. Cette heure est bonne. Et je n'en connaîtrai pas de meilleure. Quelle est celle-ci qui se tient debout en face de moi, plus douce que le souffle du vent, telle que la lune à travers les jeunes feuillages? Sa taille est comme de celle qui a achevé de grandir, toute droite dans sa noblesse ingénue, non point la rigidité de l'arbre, mais une souple roideur de fibres, la tige de la fleur neuve, de ce lys qui est le premier-né. Elle est mienne. Et sa vue est comme ce trait de la laine avec lequel on se réveille. La voici. Comme l'abeille nouvelle qui déploie ses ailes encore fraîches. Comme une grande biche, comme une fleur qui sait pas elle-même qu'elle est belle. Son visage est comme recueilli dans la joie qu'elle goûte. Et je vois ses cheveux qui sont comme l'or et l'argent, fauve avec des reflets d'argent, comme de la menthe, comme le dessous de la feuille. Oh ! Personne intacte ! Salut. Ce n'est pas comme quand je vous rencontrais auparavant. Je ne vous laisserai point passer. Maintenant, je me tiens à l'encontre. Que cela est bête de rire. Je vous vois couleur de la rose. Et cela me paraît si innocent et si doux que je ne puis m'empêcher de rire. Jacques, Uri.
Le désir de mon père a été que je vous épouse. Car est-ce qu'une femme vit seule? Il est parti. Mais le père n'étant plus là, il faut qu'elle choisisse quelqu'un pour se confier à lui. Quelqu'un pour se confier en lui. Votre père est parti. Et qui sait quand il reviendra? Il faudra que vous vous habituiez à moi. Je ne suis pas comme le père qui existait avant vous, mais nous sommes nés avec l'intervalle juste entre nos deux âmes, moi le plus ancien, pour que désormais nous puissions vivre ensemble, l'un pour l'autre. Voici l'ami complet. Voici l'époux dont l'amour est plus que celui du père ou de la mère. Heureuse celle qui, ayant reconduit un ami, s'apercevant qu'elle est toujours sur le seuil, sourit et ferme doucement la porte. Tandis qu'il y a encore, avant qu'il ne soit marié, 2 jours, 3 jours. Pourquoi parlez-vous en dessous? Que regardez-vous à terre? Violaine, c'est le moment que nous nous regardions en face. Plus tard, pour nous voir, nous aurons à tourner la tête de côté. Levez le visage, mon doux Lila, et regardez-moi, afin que je voie vos 2 yeux. Tournez vers moi votre clair visage. Plus au ciel que je fusse déjà morte. Violaine, qu'est-ce que vous dites? Hier encore. Peut-être que vous en auriez eu de la peine. Hier. Pardonnez-moi. Pour le mal que je vais vous faire. Violaine. Ce n'est pas la peine. Il vaudrait mieux partir sur le champ. Ne plus la voir. N'être plus là. Ne rien attendre. Ne rien entendre. Je comprends que vous ne voulez plus m'épouser. C'est cela. Non. Je ne vous épouserai pas. C'est cela. Non, je ne vous épouserai pas. Mais même en rêve, ce seraient des paroles trop tristes. La présence de celle que nous aimons, enfin gagnée. Elle est là, après tant de souffrances. La voix de celle que nous aimons, elle parle, elle nous parle. Et peu à peu, nous distinguons le sens des paroles. Ami, tant d'amour a touché mon cœur. Me voici, voyez comme je suis infiniment plus belle, plus douce que vous ne le pensiez. Approchez-vous, plus près encore. Recevez votre récompense. Sachez que je ne vous épouserai point. Peut-être pensiez-vous que je vous aimais? Mais non, je vous le répète, nullement. Ne croyez pas que je sois sans amour. Il est doux d'en aimer un autre que vous. Comme une petite fille qui tire le roi enfantin de la ronde, c'est ainsi que vous m'avez été chercher par la main et me menant devant vous tous. Vous avez dit, parents, amis, vous tous, voyez, voici celui que j'ai choisi. Voici celui que j'ai choisi pour ne point l'aimer, pour ne point être son époux. Si tout cela était faux, il faut le croire. Ainsi,
Ainsi, tout cela était faux? Levez le visage maintenant, parlez, n'ayez pas honte. Levez le visage et dites que vous ne m'avez jamais aimé. Pierre de Craon, on a eu ce baiser pour gage. C'était trop tôt! Vous avez cédé trop vite! Vous l'avez laissé partir trop tôt! Mais vous pouvez l'attendre maintenant! La bête s'est servie de vous sans y penser! Il est vrai que moi j'étais là, mais le remède a été trouvé mauvais à penser! Comme une servante qui a trop chaud! Comme une fille dans la paille! Hé! Hey! Quoi? Ne répondras-tu pas un mot? Par le diable, lève la tête et regarde-moi! Lève la tête! Par le diable, cela me rend enragé! Votre première caresse. Certes. Voilà plus que l'amour du père et de la mère. Elle pleure. Oh, Violaine. Pourquoi as-tu fait cela? Vois comme je souffre, moi aussi. Pourquoi avez-vous fait cela? C'est là notre connaissance. C'est là notre rencontre. Oh, perte irréparable. Ces jeux de femmes. Comme cela est drôle. Comme cela est doux entre les doigts. Elle ne veut pas me regarder. Comme je la tenais à merci. Quelle gravité, quelle douleur sur ce visage fermé. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Elle serrait les dents, mais je voyais ses lèvres s'ouvrir peu à peu comme une petite fille qui va se décider à pleurer. C'est affreux. Pardonnez-moi. J'agis trop brutalement. Je pensais que vous seriez l'honneur de ma vie. Pure. Incorruptible. La source cachée de l'innocence et de la foi. Et maintenant, voici au lieu de l'amour, l'injure. Et dans ma fiancée, la connaissance de celles qui sont mères. Comme il s'est joué de vous, se servant de vous, une heure, et vous abandonnant. Si vous le voulez, je vous épouserai. Si humilié que soit l'amour, c'est encore l'amour, et mon cœur est assez grand pour que vous vous y puissiez cacher. Ayez pitié de moi, car je vous aime. Non. Je ne vous épouserai pas. Ne dites plus un mot. Ne me poussez pas à bout. Ne pouvez-vous me parler ouvertement? Mais cela est clair, hein? Cela est vrai? Vous étiez là ce matin au moment où cet homme, Pierre de Craon, est parti? Ne dites pas non. On vous a vu au moment où il vous embrassait. Qui m'a vu? Où vous a vu? Mara! Votre sœur vous a vu? C'est vrai. Allez, finissons-en. Allons trouver votre mère. Le temps est toujours au beau. On ne cesse pas d'entendre la tourterelle. Ils viennent ici.
pense que le mariage est rompu. M'entends-tu? Tais-toi. Tais-toi. Et ne va pas rien dire. Vilaine méchante. Tu as obtenu ce que tu voulais. Laisse faire. Ce n'est qu'un moment. D'aucune façon, ça ne se serait fait, parce que c'est moi qui dois t'épouser, et non pas elle. Il faut que ça soit ainsi. Entends-tu, tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Qu'est-ce qu'il y a, Violaine? Mère, nous avons causé tout à l'heure, Violaine et moi, et nous avons trouvé qu'il était mieux que le mariage ne se fasse pas. Comment qu'il ne se fasse pas? Est-ce que tu ne veux plus l'épouser? Elle dit qu'elle ne m'aime point. Quoi? Est-ce que tu lui as dit cela? Violaine! Dites tout, Jacques. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Le reste ne me regarde pas. Vous m'avez entendu, Madame Vercors. Eh bien, c'est fini. Je m'en vais. Mère, comment est-ce qu'il pourrait m'épouser alors que Mara nous a vus ce matin, par la fenêtre de cette pièce? Car j'étais descendue pour lui dire adieu. Parlez, Violaine! L'occasion est bonne pour faire le mariage. Profitez-en, car autant vaut mieux qu'il se fasse le plus tôt possible. Mais pourquoi riez-vous, méchant homme? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai! Ne me poussez pas à bout! Ne me faites pas faire de sottises. Et vous, Violaine, trouvez-vous que vous ne m'avez pas fait assez de mal encore? Je vous demande pardon. Je ne puis vous pardonner. Et c'est elle? Elle-même qui vous a dit qu'elle ne voulait plus vous épouser? Elle-même, est-ce vrai? Ce sont les seules paroles que j'ai pu tirer d'elle. Regardez si elle dit un mot. Voilà comme elle est depuis ce matin, elle penche la tête vers le sol. Oh. Et voyez-la. Oh, là, maintenant je comprends. Violaine, mon enfant, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Hé et... Violaine, pauvre enfant. Mais je ne laisserai pas faire ça. Hé, hey, qu'y a-t-il? Oh, mère. Mère, qu'avez-vous? Allez, venez. Je pense qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien depuis que le père est parti. Allez, venez. Venez. Jacques, maintenant, il vaut mieux que vous partiez. Je suis fâchée de ça. Je suis fâchée de vous avoir dit ça ce matin. Mara, vous m'avez rendu service. Votre père avait voulu que je le remplace auprès de vous. Je serai toujours là pour vous aider. Bien, bien. Venez. Croyez que je suis triste de tout ça. Oh, Dieu. C'est très absurde. Pourquoi lui avoir laissé croire ça? Sans doute que c'est pas vrai. Que va-t-il penser de nous? C'est pas moi qui t'ai dit de le faire. Et puisqu'il savait comment Pierre de Craon et toi, hier matin, vous étiez là à vous embrasser. Je ne puis pas dire que ce ne soit pas vrai. Petite sœur, ne parle pas de Pierre de Craon. La chose qu'il y a entre nous, tu ne peux la connaître. Je ne le reverrai plus. Alors, tu ne veux plus l'épouser? Mara, est-ce la peine d'être si méchante avec moi? Eh bien... Après tout, tu sais tout cela mieux que moi. Comme tu dis, tu as plus d'âge que moi. Alors... Qui est-ce qui pourrait se marier avec toi? Un autre?
Je pense que tu ne penses plus te marier. Tout le monde déjà savait que tu devais l'épouser. Non, Mara. Je ne me marierai pas. Eh bien, j'ai préparé ça, à tout hasard. Sans doute que tu refuseras pas de signer, ça serait trop méchant de ta part. Qu'en as-tu besoin puisque tu te maries pas? Donne-nous ta part de l'héritage. Ainsi, la ferme restera comme elle est pour nos enfants. Tu n'as qu'à dire que tu as reçu déjà ta part. J'ai compté ce que ça ferait. Vraiment. Ma pauvre fille, tu es trop simple et lâche, ça dégoûte. Ça met en colère. Et comme les gens malades, elle me donne tout ce qu'elle a. La reine, comme si c'était un sou que je lui demande. Tiens, Cendrillon, tiens, prends ça pour toi, saute. Mara, tu m'as fait mal. Tu m'as jeté la cendre dans les yeux. Comme te voilà arrangée. Oh, la cendre fait voir par où tu as pleuré. Je ne vois plus clair. Mais tu verras toujours assez pour trouver la porte. Barbouillée! Est-ce que tu me chasses de la maison? Est-ce que tu auras le cœur de rester ici? Fille perdue, va-t'en! Retrouve ton ami. Je n'ai point d'amis. Ah non? Alors comment lui as-tu laissé croire ça? Il fallait être bien méchante. Il fallait que tu l'aimes guère. Car je n'ai jamais vu quelqu'un si... à sauter qu'il était toi. Mara, ma cruelle jeune sœur. Eh bien! Après ce qui s'est passé, tu vois bien que tu ne peux rester ici? Tu penses pas être tout ce temps-là, à table, avec nous? Mais où irais-je? Dieu! Où va-t-elle que j'aille vivre? C'est pas moi qui t'ai demandé rien. Et va-t'en d'ici! Écoute, ne reste pas plus longtemps avec nous parce que je te hais! Pourquoi est-ce que tu es née à ma place? Mais je saurais prendre la mienne. Tu ne l'aimes pas! Tu ne l'aimes pas comme je l'aime! Tu ne l'aimes pas comme il faut qu'une femme aime son mari, idiotement, intraitablement! Et ainsi, tu as raison de me le laisser. Mais tu tiens pas à rien de ce qui est à toi! Et que quelqu'un te le demande, tu lui donnes, avant qu'il ait fini de parler. Mais moi, je sais ce qui est à moi, et j'ai des griffes et des dents, et garantie, il touche. Ce n'est pas moi qui te chasse, c'est la maison que tu méprises, c'est ton patrimoine que tu rejettes. Va-t'en d'ici! Où irais-je? Adieu! Hein? Tu as mis la honte sur notre nom, c'est tant bien. Garde-le! Emporte-le avec toi! Tu as raison, Mara. Il faut que je m'en aille. Adieu. Elle saura bien revenir, hein. Et on la voit plus.
Un pied de femme. Je ne pleure plus. La cendre est tombée de mon visage. Violaine, tu m'as reconnue ? Mara Vercor. Ma sœur. Est-ce vrai que tu es aveugle ? Je dis aveugle tout à fait ? C'est vrai. Comment donc m'as-tu reconnue ? À la fois à l'odeur et au-dedans, par l'âme. Maintenant, je sais que tu es vivante. Mais quand j'ai rencontré cette étrange marque de pieds nus, quand soudain j'ai vu cette personne noire près de la croix de la route, conductrice, marchant à notre côté, comme celui qui se tait près de celui qui ne sait pas. Violaine, si tu veux savoir si notre père est revenu, non. Non, il n'est pas revenu. Où est-il ? Je ne sais. Il ne nous donne point de nouvelles. Et pour notre mère, peu de temps après que tu es partie, elle n'a point retrouvé usage de sentiments, elle a langui. Elle est morte. Je reconnais la voix familière. Ta voix ressemble à celle de maman, bien qu'elle soit claire et que la sienne fût voilée. Voici que tu es venue au parloir. Est-ce que tu es vraiment aveugle ? Mais oui. Tu parlais de cendre tout à l'heure, ce n'est pas ce que je t'ai jeté, bien sûr. D'abord, je pensais que ce n'était rien et que je pourrais faire mon ouvrage. J'étais servante. Mais je ne vis plus clair. Comme quand on ferme les yeux. Ne pas voir clair. Maintenant, je comprends ce que cela veut dire. Tout arrive par la secrète volonté de Dieu. Mara, ouais. Tu as coupé le lien qui me tenait.
et je ne repose plus que dans la main de Dieu même. Je n'entends point cela. Dieu est à l'église. Et nous ne ferons point notre maison de la sienne. Il faut vivre avec ses pareils. Et comment l'aurais-je fait, puisque mes pareils n'ont point voulu de moi? Celui que j'aimais m'a accusée de l'avoir trahi. Et peut-être qu'il disait la vérité. Marin, qui est-ce qui est avec toi? Comment sais-tu qu'il y a quelqu'un? J'entends battre un autre cœur. C'est Aubin, notre petit garçon. Quel âge a-t-il? 1 an. Il n'a pas été long à t'épouser. L'enfant est aveugle! Pourquoi me l'as-tu amené? Pour que tu le guérisses. Guéris-le! Violaine, quand je t'ai vue ce soir tourner vers moi, regardant comme si tu me regardais, j'ai eu peur. Puis j'étais bien contente à la fois, voyant que c'était toi et que tu étais aveugle. J'ai tout compris. Et maintenant, guéris-le! Car puisque c'est toi la cause qu'il est infirme, tu peux le guérir. Voici cette chose aveugle qui sortit de moi. Songe que je suis sa mère, il ne me voit pas. Il ne me connaît pas. Cette chose aveugle qu'il y avait en moi, c'est cela que j'ai conçu entre les bras de mon mari. La mort entre ses paupières. J'ai reconnu au travers de la nuit ses yeux noirs et vides. Que veux-tu que je fasse? Que tu le guérisses! Guéris-le! Regarde le chemin que j'ai fait pour te trouver, mon mari qui est tout seul, et la ferme qui reste comme ça sans moi. Pourquoi est-ce que tu te sauves et te caches ainsi, au lieu de rester tranquillement quelque part où l'on pourrait te trouver, tous ceux qui auraient besoin de toi? Ainsi, tu ferais du bien à tout le monde. Et même, tu pourrais gagner de l'argent. Mais les dévots ne s'occupent guère de leur prochain. Mon Dieu. Il me suffit de ne point être vu des hommes. Mais quoi? Te faire du bien, c'est un ennui pour toi? Et toute la religion n'est-elle pas pour le bien des hommes? Quand la religion ne serait pas... Dieu existe. S'il y a des hommes, c'est parce qu'il est. Et tout leur bien provient de ce qu'il est bon. Ce n'est point nous qui choisissons. C'est nous qui sommes choisis. Comment faire? Aie pitié de mon imbécilité. Aie pitié de ce petit enfant qui n'a rien fait de mal. Tire-en une branche jusqu'à nous. Ah, s'il y a en vérité quelque salut hors de nous-mêmes, quelque arbre par qui cette région déserte et nulle qui s'étend au-delà de notre prière devienne fructueuse, qu'il ne soit point pour nous comme s'il n'était pas. Mais comment te viens, moi, qui suis comme une herbe, qui à l'un est bonne et à l'autre ne sert de rien? Mais le repentir donne la paix et la patience.
est plus belle que la couleur verte. Je ne comprends pas. Dis d'aucune manière comment cela peut-il être bon que mon enfant soit aveugle. Violaine, je crois que tu peux me faire du bien. Je crois ça. Que m'importe tout, que m'importe que tu sois toi-même aveugle, je crois que tu peux me faire du bien. Que cette croyance te soit imputée à justice. Et à raison, cette opiniâtreté. Où est ton enfant? Il dort. Donne-le-moi. Oh, sœur aveugle. Comme c'est étrange de voir mon enfant entre tes bras. Dors, ami. Et ne te réveille pas. Violaine, est-ce qu'il voit? Demande-le lui. Aubin? Aubin, mon petit enfant, regarde, est-ce que tu me vois? Je ne pouvais pas faire autrement, il le fallait.
Mon mari me tourmentait, là. Je veux la voir, je veux la voir. Et il ne songe plus à Violaine. On fait croire aux hommes ce qu'on veut. Mais je savais pas encore ce que je voulais faire. Mais quand je la vis seule dans cet endroit écarté, d'un coup, je me jetais sur elle et... Et elle ne disait rien non plus. Elle n'essayait point de mordre. Car j'avais ma main sur sa bouche. Et un de mes doigts repliés était enfoncé entre ses lèvres. Et elle le tenait entre ses lèvres. Comme font les petits chats sans dents. Et je vis une grosse pierre. Et je l'ai traînée jusque-là. Et lui prenant la tête par les cheveux de toutes mes forces, à deux mains, je la lui tapai sur la pierre. Et elle ne fit pas un cri. Et je l'ai traînée dans un fossé. Et je l'ai cachée sous les feuilles. Et les fourmis lui mangeront le visage. On ne la reconnaîtra point. Je pense qu'elle m'a reconnue. Mais... Ah. Oh, allez. Ah. Allez, hein. Il faudrait pas que je sois là. Savez-vous quel est ce sang que j'ai sur les mains? Savez-vous quelle est cette femme que vous voyez ici, étendue sur la table du repas? Je vous laisse seule avec elle. Elle vous expliquera toute chose. La nuit n'est pas assez noire pour ma douleur. Jacques. Je m'en vais mourir. N'avez-vous rien à dire? Les choses sont comme elles sont. Vous ne m'avez pas encore pardonné. Voilà la pauvre chose à laquelle il n'est pas moyen qu'il puisse pardonner. Oui, Jacques. Je ne vous vois point. Aussi était aveugle. Il était né comme ça. Et il y a une femme qui l'a guéri, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai même point pu la remercier. Vous voyez donc qu'il y a encore de ces pauvres femmes qui sont bonnes à quelque chose. Toutes ne sont pas méchantes. Comme je l'étais. Maintenant que je suis tout près de la mort. Maintenant que vous ne m'aimez pas. Violaine. Maintenant. Je puis parler. Jamais. Je n'ai aimé cet homme. Pierre de Craon, de cette manière que vous avez cru. Ami. Pourquoi m'avoir fait croire que vous m'aimiez? Je vous aimais.
Nous ne sommes point maîtres de notre pauvre cœur. Et dès longtemps, je vous l'avais donné. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi m'avez-vous trompé si cruellement? J'ai su que ma sœur vous aimait. Et sachant ce que c'est que l'amour, j'ai eu compassion d'elle. Mais de moi, vous n'avez eu aucune compassion. Jacques. Peut-être que nous nous aimions trop. Oh, si vous m'aviez aimé, ce n'était pas ainsi que vous auriez agi. Il faut me pardonner. Le sacrifice m'a paru si cruel, si aimable, que je n'ai su me garder de le faire. Oh. Violaine, c'est aujourd'hui que je vous retrouve pour vous perdre. Misérable, aveugle, mourante. Maintenant que vous êtes bien sûr que je vous aimais, maintenant que vous vous apercevez que je suis pauvre et aveugle. Où étiez-vous tout ce temps? Je vous dirai tout. Il ne faut point qu'il y ait de secret entre la femme et le mari. Parlez. Est-ce que je pouvais rester dans la maison? Ce n'est pas elle. C'est la maison même qui m'a chassée. C'est marrant. C'est Mara qui vous a chassé de la maison. Vous comprenez que je ne pouvais pas y rester. J'ai vécu longtemps ailleurs. Seule. Rien ne m'a manqué. Et ensuite, comme je revenais ici, quelqu'un dans le chemin s'est jeté sur moi. Il me saisissant par les cheveux, m'a battu la tête sur une pierre. C'est Mara qui a fait cela aussi? Oui, Jacques, ne vous mettez pas en colère, c'est elle. Je l'ai reconnue, quoiqu'elle n'ait rien dit. J'ai reconnu ses mains fines et dures. Il faut que je la tue, que je me débarrasse d'elle. Oh, comme elle s'est collée à moi, que je ne puis m'en dépêtrer, comme une vipère qui s'attache à la veine du jarret, comme un chancre sur un arbre. Je la tuerai. Je la sommerai coupée comme une fourmi. Asseyez-vous. Elle a très bien agi. À sa manière. Oh. Ma fiancée à travers les branches en fleurs.
Elle n'est plus. Vous ne la verrez plus. Oh, homme intelligent et avisé, comment vous êtes-vous laissé ainsi abuser? Comme il vous a été bien facile de croire que je n'étais qu'une femme sans honneur et sans vertu. Plus facile que de croire au bonheur. Ami. La joie. Un cœur avide de joie. Est-ce qu'il en sera frustré? Vous savez que je vous aime. Et ainsi, vous m'avez pardonné. Ce n'est pas à vous que vous voulez que je pardonne. Eh bien. Eh bien. Songez que la pauvre femme est au-dessus de nous. Prêtant l'oreille. Écoutant si vous allez monter. Si vous lui pardonnez, que voulez-vous que je fasse? Cela est bien. Tout est très bien. Ainsi, est-ce pour sûr que vous allez mourir et me laisser seul? Jacques, c'est fini. Comment faire? Il n'y a aucun moyen que je ne meure pas. Mais moi, vous ne vous en souciez guère. Paix, ami. Je vous aime. Elle ne dit plus un mot. Est-ce que la maison est vide pour que la porte soit ouverte? Que je serai dans mes bras. Tout est fini. Salut, mon père. Je vous salue tous. Vous tenez les yeux sur moi et je sais ce que vous pensez. Violaine est morte. Le beau fruit mûr, le bon fruit doré s'est détaché de la branche et seul,
amer au dehors, dur au dedans, comme une pierre, nous reste la loi hivernale. Qui m'aime ? Qui m'a jamais aimé ? Eh bien, me voici, qu'avez-vous à dire ? Qu'avez-vous à reprocher, là ? Qu'avez-vous à me regarder ainsi, avec ces yeux qui disent « c'est toi, c'est vrai, c'est moi, c'est moi ». Moi. C'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'ai séparé de celle qui l'aimait par ruse. C'est moi qui l'ai chassé de la maison et comme elle revenait ici, c'est moi qui l'ai tué l'assommant sur une pierre avec ses mains que voici. Quoi ? Encore ? Que fallait-il faire de plus ? Pour que celui que j'aime, pour que celui qui est à moi, soit à moi comme il doit l'être, tout entier, à moi seul, et non pas à une autre. Ah, vous l'aimiez tous. Et voici son père qui l'abandonne. Et sa mère qui la livre. Et son fiancé, comme il a cru en elle. Certes, vous l'aimiez tous, comme on aime un rayon de soleil sur un mur, comme une fleur dont on trouve l'odeur plaisante. Et c'était ça, toute l'amitié de votre amour ? Comment pouvais-je faire pour me défendre, moi, pauvre femme, qui ne puis donner que de la douleur ? Et toi ? Oh, Jacques ! Pourquoi ne dis-tu rien ? Pourquoi tournes-tu ainsi le visage vers la terre, comme Violaine, le jour où tu l'accusais, injustement ? Reconnais-moi donc, je suis ta femme. Cette douleur, il n'y a que moi qui puisse te la donner. Et cet amour ne naît point de la joie, mais il naît de la douleur, cette douleur qui est la même chose que notre vie. Reconnais-moi donc, je suis ta femme. Et tu ne peux point faire que je ne le sois point. Et maintenant, voici le soir. Et le soleil ramène les hommes et les animaux, comme avec une main. Voici que j'étends les bras dans les rayons du soleil, comme un tailleur qui mesure l'étoffe. Voici le soir. Aie pitié de tout homme, Seigneur. À ce moment qu'ayant fini sa tâche, il se tient devant toi comme un enfant dont on examine les mains. Les miennes sont quittes. J'ai fini ma journée. J'ai semé le blé et je l'ai moissonné. Et dans ce pain que j'ai fait, tous tes enfants ont communié. À présent, j'ai fini. Je vis sur le seuil de la mort. Et une joie inexplicable est en moi.